Bonjour tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube dans ce week-end de Pâques et on va parler comme d'habitude tricot. Cette semaine, elle était assez remplie. Je trouve que j'ai réussi à terminer trois projets et c'est assez rare pour moi. Mais je pense que c'est un peu, vous savez, la coïncidence parce que quand on commence beaucoup de tricots et après, au fur et à mesure, ils arrivent à la fin, il y a une très grosse probabilité que on va finir plusieurs projets dans la même semaine. Mais je suis très très ravie que enfin j'avais terminé le pull basique que j'avais tricoté avec vous. Mais tout d'abord, je vais vous mettre les petites séquences de vidéos que j'avais filmées au fur et à mesure dans la semaine, comme j'avais fait avant. Vous savez, vous voyez que mes mains devant vous et je vous montre parce que en fait j'ai fait beaucoup d'échantillons. Cette semaine, il y avait beaucoup de réflexions par rapport à par rapport au tricot d'été, comme je vous ai dit avant, j'aimais pas trop, vous savez, tout ce qui est la laine d'été, ce qu'on appelle, en fait, tous ces mélanges de coton, coton polyamide, coton lin, enfin, je comprenais pas parce que j'aimais pas le rendu. Vous savez, quand on tricote coton, bien sûr, les mailles, elles sont pas aussi régulière que quand on tricote la laine. Parce que la laine, vraiment, quand les mailles ne sont pas régulières, on a quand même une chance sur deux que normalement, après le lavage, toutes les mailles, elles deviennent très jolies et homogènes. Mais avec le coton, c'est quand même, il faut beaucoup, il faut se donner vraiment la peine de garder la même tension de fil tout au long de votre projet. Et moi, c'est pas mon cas, mais cette année, j'ai décidé un peu de sortir de ma zone de confort et d'essayer justement quelques articles d'été, surtout en pelote pour l'instant, parce que en pelote, c'est quand même plus prévisible que sur la laine sur conne. Et c'est pour ça, déjà, je crois que c'était encore en novembre ou début décembre où j'avais acheté quelques articles de Drops. C'était Drops Cotton Light et Drops Bell. Et je pense qu'au mois d'avril, j'aimerais bien tricoter comme un petit pull d'été avec Drops Bell. Mais bref, ça, c'est les projets déjà pour le tricot de printemps et d'été. Ça va être à la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, je vous invite de regarder tout ce que je vous ai filmé tout au long de la semaine. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que hier soir, j'ai presque terminé Kumulus Blues. En fait, presque. Pourquoi? Parce que il m'a manqué, allez, 50 cm de fil. Alors hier soir, j'ai regardé la télé et les vidéos de tricoteuses et j'ai pensé, enfin, je vais tricoter à la longueur. Il me manquait encore 9 cm. Et je pensais, et demain je vais faire I-cord. J'ai tricoté la longueur qu'il me fallait et il me restait, je regardais, t'as comme, enfin, il y en avait quand même assez de fil à l'œil comme ça. Mais j'ai oublié que c'est quand même I-cord. Et il faut beaucoup de fil pour faire le tour, quoi. Mais du coup, je pensais, je vais commencer à faire et je vais terminer demain parce que
Ça doit être très très monotone comme travail et j'ai eu raison. Mais en regardant les vidéos et tout, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais déjà à la moitié, mais je voyais que le fil et la quantité, il a vachement diminué. Et là, déjà, je pensais, je ne pourrais pas aller au lit tant que j'ai pas terminé et tant que j'ai pas vu que j'en ai eu assez de fil. Et bien, du coup, en fait, à la fin, je n'ai pas eu assez. Et en plus, ici, j'ai commencé déjà un peu à tricher à partir de là, je crois. Parce que vous savez, quand on fait high cord, on tricote 3 mailles et après la quatrième avec la maille de notre tricot ensemble. Après, on retourne 4 mailles, 4, oui, 4 mailles sur l'aiguille gauche et on recommence et tout. Et moi, en fait, à la fin, j'ai commencé à faire tricoter 3 mailles, pas 2 mailles, mais 3 mailles ensemble. Et quand même, je n'ai pas eu assez de fil. J'en ai encore cette laine parce que quand je l'avais achetée, j'avais acheté 8 pelotes. Et là, vous voyez, pour le taille L, j'en ai eu assez 6 pelotes. Enfin, je vais couper, allez, 1 mètre de fil pour terminer ça, pour avoir, vous savez, les bouts assez longs pour les cacher comme il faut et tout. Alors aujourd'hui, je vais terminer ça. Je vais pas le laver parce que de toute façon, ici, je sais que cette laine, elle change pas. J'ai déjà tricoté avec. Je vois pas du tout la raison de le faire. Parce que de toute façon, ce pull, il va partir chez ma mère en Ukraine. Je vais simplement, vous savez, passer un peu. Faire un peu avec la machine à vapeur juste pour le rendre un peu plus présentable parce que je vais essayer de faire les photos. Cette semaine, elle nous annonce la pluie, alors peut-être je vais essayer de le faire dans la maison, mais je n'ai pas vraiment un endroit où je peux vraiment bien reculer, vous savez, pour que vous puissiez bien me voir. Je vais essayer quand même. Moi, j'ai quand même compris que vraiment pour ma taille, malgré que je taille L, mais cette blouse, en fait, ce modèle, je préfère tricoter en M. Au moins avec cette laine-là. Parce que je pense qu'en fait, le problème, c'était que moi, quand j'avais tricoté l'échantillon, c'est ça le problème des échantillons. Vous savez, quand vous le tricotez, quelque part dans votre tête, vous essayez de serrer les mailles ou de les tricoter plus lâches, vous savez, pour avoir la jauge qu'il y a dans le patron. Et c'est pour ça, en fait, je vous ai proposé la vidéo pour voir après, en fait, comment recalculer votre taille par rapport à votre jauge à vous. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit que ça vous intéresse. Je vais essayer de le faire à cette vidéo juste après d'avoir terminé faire les vidéos pour le pull basique. En ce qui concerne en fait cette laine, j'ai pris les aiguilles numéro 4 et demi et dans le petit échantillon, j'ai eu mes 18 mailles. Mais sauf que en fait, là, quand j'ai tricoté déjà cette blouse, j'ai mesuré, j'ai refait la jauge. Et j'ai eu 20 mailles. C'est pour ça, en fait, la taille L, elle est trop grande pour moi. C'est-à-dire que la prochaine fois, si je vais tricoter carrément avec Drops Brushed Alpaca Silk, je vais plutôt prendre la taille M. Voilà. C'est tout avec cette blouse. Et j'aimerais bien vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ce week-end. Parce que je pense que je ne vous ai pas dit, mais aujourd'hui, on a déjà lundi 25 mars. Et j'ai commencé à tricoter un cardigan avec mes propres calculs. C'est l'épaule japonaise ou européenne, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Une petite knit, elle utilise. Enfin, il y en a beaucoup modèles de petites knits qui sont tricotées avec cette technique. Et moi, j'ai décidé, on peut, vous savez, de comprendre comment on le fait. Parce que je sais calculer le réglant, ou je sais à peu près comment calculer quand on tricote, vous savez, de bas vers le haut. Cette technique-là, j'ai tricoté seulement avec les patrons. J'ai vu pourquoi j'ai décidé de commencer ce projet. Parce que j'ai vu ce motif sur Instagram. C'était un pull réglant. Je vais vous mettre ici la photo. J'ai décidé
Enfin, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé en fait, je suis deux filles sur l'Instagram. Ce sont des jumelles, je crois qu'elles viennent de Danemark comme la petite Nid. Ils ont aussi, enfin, ils sont des créatrices, ils ont aussi un site où ils vendent les patrons et tout. Et j'ai vu qu'ils ont avec ce motif, ils ont des modèles de pull et de veste. Et cette veste, elle est avec col levé. Il m'a plu beaucoup, sauf que j'aimais pas trop rendu de cette veste parce que elle était tricotée avec la laine assez fine. Et moi, j'ai pensé que j'aimerais bien le faire avec cette laine-là. J'ai fait déjà l'échantillon il y a peut-être un mois de ça. Je l'avais tricotée avec les aiguilles numéro 5 et ça, c'est la laine qui est comme ça. C'est l'article qui s'appelle L'Over. C'est 10% cachemire, 90% mérino laine, 230 mètres dans les 100 grammes et j'ai 700 grammes. Mais sauf que en fait, cet échantillon, il m'a déçu un peu parce que je croyais que ces 10% de cachemire, ils vont donner plus de duvet que ça. Et vu qu'il ne me plaisait pas beaucoup cet échantillon, j'ai décidé de mettre un brin aussi de mohair. C'est le mohair classique sur polyamide, c'est Aurora l'article, et c'est 1000 mètres dans les 100 grammes. J'ai débobiné le truc comme ça, et le premier essai, c'était ça. Ne pensez pas que je suis très très douée, que tout de suite j'ai réussi à faire tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y a deux sortes de cette épaule européenne ou japonaise, ou je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous vous appelez ça. Chez nous, en Ukraine, la plupart du temps, on dit quand même que c'est les épaules, enfin la technique d'épaule japonais, japonaise, enfin à la japonais, je ne sais pas. Mais il y en a certains qui disent aussi l'épaule européenne. Il y a deux sortes de techniques. Il y en a une technique comme par exemple on voit dans les patrons de petites nids, c'est-à-dire que vous montez les mailles grosso modo comme pour l'encolure. Après, vous faites vos augmentations à peu près sur la longueur de l'épaule. Et après, vous tricotez droit sur la longueur de votre emmanchure. Je vois, j'ai déjà tricoté d'autres techniques. Celle que c'était dans le patron de youtubeuse ukrainienne Svetlana dans le pull patriotique que j'ai fait pour Adèle. Dans sa version à elle, et je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres designers ou d'autres tricoteuses qui utilisent cette technique, elle monte les mailles grosso modo sur toute la longueur d'épaule. Et après, ça tricote droit. Et juste à la fin, on fait des petites augmentations pour la manchure. Au début, c'est pour ça, en fait, j'ai monté ça, mais ce n'était pas la longueur des poils. Je ne sais pas, je me rappelle même pas. C'était avant-hier, mais je ne me rappelle pas comment j'ai fait ces calculs. Mais j'ai commencé à faire les augmentations toutes les deuxièmes rangs, c'est-à-dire que dans chaque rang, un droit. Et après, je voyais que j'ai une trapèze, mais ça correspond à rien parce que grosso modo, quand vous faites normalement les augmentations, là, sur cette petite partie, quand vous arrivez déjà à la longueur de votre épaule, vous devez avoir déjà la largeur de votre dos. Et là, j'ai compris que c'était pas ça du tout. Alors, j'ai mis ça de côté. J'étais partie au lit samedi soir et hier matin, j'ai recalculé tout. Et là, je pense que ça doit être bon. Pourquoi je pense? Parce que je n'ai pas encore fait, vous savez, le devant pour voir si ça, qu'est-ce que ça donne, quoi. Pour l'instant, selon mes calculs, normalement, tout est bien, en fait. Et ici, déjà, je faisais les augmentations, pas chaque deuxième, mais chaque rang. C'est-à-dire que dans les rangs droits et dans les rangs envers. La petite difficulté, bien sûr, c'était de suivre le motif, mais c'est pas si difficile que ça parce que c'est quand même comme la base, vous savez, les côtes 2 sur 2. J'ai tricoté la longueur, en fait, j'ai mesuré à peu près la longueur d'un manchure. Et là, j'ai fait pareil ici des petites augmentations pour la manchure. Bien sûr qu'il y aura aussi ce petit coin devant, sur les parties de devant, et il y aura aussi encore les mailles, vous savez, sous les aisselles
que je veux monter. Maintenant, je vais monter les mailles pour les épaules. Vous savez, j'ai mis les marqueurs là dans le rang où j'ai arrêté de faire les augmentations. Et là, normalement, ça correspond à 29 mailles. Et moi, j'ai décidé que je veux faire pareil le col V, sauf que je ne veux pas qu'il soit aussi profond que dans le modèle des jumelles. J'aimerais bien qu'il se termine, en fait, voilà, et ici, sur la, comment dire, sur la poitrine, c'est-à-dire qu'au niveau de la manchure. Et c'est-à-dire que ça va être encore peut-être même plus facile à calculer parce que je sais combien de rangs j'ai tricoté. C'est-à-dire que je vais monter là à 29 ou 30 mailles, quelque chose par là. Et après, je vais calculer combien de mailles je dois avoir pour chaque épaule, pour chaque partie de devant. Et simplement, je vais calculer dans chaque, comment dire, avec quel... comment dire, je sais pas. Donc combien de rangs en fait il me faut faire ces augmentations. Et le plus difficile, ça va être quand même avec le motif, mais je pense que je vais y arriver. Peut-être pas du premier coup comme avec ça, mais j'espère que je vais y réussir. Voilà, ça c'était le coup de tête de ce week-end. Je vais peut-être là finir quand même le pull. Que je dois filmer encore deux vidéos, même trois. Et après, je vais me consacrer vraiment à ce cardigan et à cardigan Eva. Comme ça, en fait, je vais en avoir deux. Et si je réussis vraiment à comprendre comment on calcule en fait ce modèle, vous savez, avec l'épaule, comme ça, je vais pouvoir en fait tricoter avec n'importe quel motif et tout. Et c'est ça que j'aimerais bien savoir parce que je sais déjà à peu près comment calculer le réglan. C'est ce que je vous ai montré. Et là, en fait, j'essaye de comprendre en fait cette technique pour ne plus acheter peut-être voilà les patrons pour économiser un peu d'argent et plutôt acheter de la laine. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On va se revoir peut-être demain ou après-demain. On verra quand il y aura quelque chose à vous montrer. Et j'espère que ce format de vidéo, il va vous plaire parce que au début je les faisais, après j'ai arrêté de les faire. Mais moi je trouve que quand je vous montre voilà comme ça de plus près, que c'est plus informatif. Voilà, alors je vous dis à la prochaine. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mercredi et le 27 mars pour vous dire tout. Et du coup aujourd'hui je filme là, il est déjà 21h le soir. Et aujourd'hui j'ai pas tricoté du tout. En fait on était parti avec Adèle voir l'ophtalmologue ce matin et après quand on était arrivé je me suis sentie pas très bien. Et là je sens que... comment dire, je suis en train de tomber malade, je crois. Voilà. Alors, j'ai rien tricoté du tout d'aujourd'hui. Hier, j'ai filmé, heureusement, la vidéo comment on tricote la manche. Et le rabattage de mailles à l'italien avec l'aiguille et tout. La vidéo comment tricoter la manche, je pense... au moment de sortie de ce vlog, il sera déjà en ligne. Et heureusement que j'ai terminé en fait la deuxième manche hier de mon pull. Il me reste encore la longueur. Je pense que ça va aller assez rapidement.
Mais hier, j'ai tricoté beaucoup d'échantillons. Et en fait, j'ai oublié de vous dire que mercredi dernier, j'avais acheté ce patron de petites nites Cloud Blues. Je l'ai déjà imprimé parce que je pense que peut-être je vais le tricoter assez rapidement. Et en plus, j'avais acheté le patron de, je crois que ça se lit Massimi, je suppose. Enfin bref, la fille, elle s'appelle Camille et je pense que vous devez la connaître parce que elle a un très joli Instagram et elle a des jolis modèles aussi sur Ravelry. Moi, j'avais acheté ce patron sur Ravelry, pas sur son site à elle, parce que pour moi, Ravelry, vous savez, c'est plus pratique dans le sens que en fait, tous vos patrons de tous les designers, ils sont dans votre bibliothèque. J'étais vraiment scotchée, on va dire, par ce modèle qui est très très féminin. Et franchement, j'ai super envie de le tricoter. Sauf que moi, j'en ai déjà tellement de projets en cours et tellement de projets que j'ai déjà planifié, qui sont dans la liste d'attente, que je sais pas. Mais j'espère que quand même je vais tricoter ce pull ou cette veste. En fait, ça s'appelle Ballerina Romance Sweater. Et j'espère que je vais le tricoter au moins cette année. En fait, il se tricote avec deux brins de mohair. Avec les aiguilles numéro 4, alors je suppose que ça doit aller quand même assez rapidement. Et du coup, comme vous pouvez voir ici, Camille, il le porte avec ce col V sur le dos. Mais il y a aussi les photos qu'on peut le porter devant. Moi, personnellement, quand je vais le tricoter, je pense que je vais plutôt le porter devant parce que j'aime pas quand, vous savez, il y a trop d'eau découverte. Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, j'étais vraiment amoureuse tout de suite de ce modèle. Et je trouve que voilà, c'est très très féminin. Et j'espère que j'aurai bientôt le temps de tricoter ça. Et du coup, par rapport à ce modèle, j'ai cherché une laine qui me plairait. Je sais pas où je l'avais mis, mais ça c'était l'échantillon qui était tricoté avec Athénéa de Concept by Katia. C'est la laine qui est très, on va dire, noble, mais elle est noble aussi par rapport en matière de prix. Je crois que c'était la nouveauté qui était sortie pas l'automne dernier, c'est-à-dire pas l'automne 2023, mais l'automne 2022. Je sais qu'il y a ici la laine, coton et 18% de cachemire. Et après le pourcentage de laine et tout ça, je ne me rappelle pas trop. Mais c'est la laine qui est assez fine. Je crois que dans les 25 grammes, il y a 175 mètres. Et bien sûr, par rapport à la jauge, j'ai tricoté là ici avec les aiguilles numéro 4 et ici 3,5. En fait, sur l'étiquette de la laine, Katia, il nous propose de la tricoter avec les aiguilles numéro 3, 3,5. Déjà, 3,5, faut que c'est petit. Sur 4, ça me plaît, mais de toute façon, la jauge, je ne l'ai pas. Parce que la jauge dans le patron, je crois que c'est de 20 mailles dans les 10 cm et moi j'en ai 23, je crois. Mais après, c'est facile de le recalculer. Je vais vous faire la vidéo, je vous ai promis, je vais faire la vidéo comment recalculer. Mais j'attends un peu. Bientôt j'ai l'anniversaire, pour être précise, le 1er avril. Et j'ai vraiment envie de me faire un petit cadeau et de faire de commander quelques cônes de laine sur le site Giyans. Et là-bas, j'ai trouvé la laine avec cachemire assez fine. Je crois qu'elle est 750 mètres dans les 100 grammes. Et je pense que si je le rajoute avec celui-là, ça va me plaire plus que comme ça. Je ne sais pas. C'est à tester. Ça, c'est en ce qui concerne cet échantillon. Et après, comme vous pouvez voir, j'en ai fait encore, mais pas mal.
Parce que je me posais des questions aussi pour le Cloud Blues de Petite Nit. Ça, c'est pareil. Vous voyez ici, la jauge, elle est pareille, 20 mailles dans les 10 cm. Et elle se tricote comme Cumulus Blues avec deux brins de mohair. Sauf que là-bas, on utilise les aiguilles numéro 4 et demi, et c'est pour ça la jauge, elle est 18 mailles dans les 10 cm. Et ici, on utilise les aiguilles numéro 4. Et j'ai trouvé un échantillon comme ça que j'avais tricoté déjà il y a quelque temps de ça. C'est aussi la laine sur cône qui s'appelle Ghost, et je ne me rappelle pas du tout ce qu'il y avait comme composition. Je sais très bien qu'il y avait aussi l'alpaga, c'est pour ça en fait, elle est comme ça, vous savez, avec le duvet. Je l'avais tricoté avec les aiguilles numéro 4, et j'ai 18 mailles dans les 10 cm. C'est-à-dire que si je le tricote avec 4,5, je vais avoir 20 mailles. Alors, je sais pas, parce que j'ai réfléchi et je pensais qu'en fait, voilà, que peut-être ça peut aller aussi pour ce patron-là, mais j'aime pas cet effet, c'est-à-dire qu'on va pas trop voir la dentelle sur les manches. Cette laine, je l'ai déjà utilisée parce que j'ai trois couleurs de cette laine. J'ai tricoté une fois un pull, je pense que dans une de mes vidéos, vous pouvez le voir avec des feuilles devant et avec le col roulé. Il est assez large et c'est là que j'ai bien aimé la laine et j'ai commandé d'autres coloris. Mais j'aime pas trop cet effet. Elle me ressemble beaucoup, si vous voulez, à Brushed Alpaca Silk. Parce que quand une fois vous le tricotez, vous voyez cet effet comme quoi le tricot il n'est pas régulier. Et je pense qu'en fait, voilà, elle peut aller pour Cloud Blues ou je vais tricoter Cumulus Blues pour moi avec cette laine. Mais pas Ballerina Romance Sweater, ça va pas aller. Après, je cherchais l'inspiration, vous savez, pour le tricot d'été. Voilà, parce qu'on s'approche de l'été. Et moi, en fait, si vous voulez, j'aime pas trop la laine, tout ce qui est coton lin ou viscose. Enfin, j'aime beaucoup, en fait, voilà, cet effet de laine, comme laine de mouton ou mérine ou quelque chose comme ça. Mais je voulais essayer. Et tout d'abord, j'ai trouvé ce coin que j'avais acheté en Ukraine. Et ça, c'est la laine, en fait, c'est l'article qui s'appelle Archimède. Et c'est 40% de coton, 40% de mérine et 20% de polyamide. 350 mètres dans les 100 grammes. Et une fois, je l'avais vu comme ça. Vous voyez? Je pense que c'était. Il y a beaucoup de coton et polyamide. Il ne va pas se transformer beaucoup. Mais j'avais tort. Regardez-moi cet échantillon. Je vais vous mettre ici à côté la photo. Je l'avais fait avant le lavage pour mesurer en fait l'échantillon pour voir si elle va rétrécir et tout. Et vous pouvez comparer les mailles comment elle était avant le lavage et après le lavage. Ici en bas, j'avais pris les aiguilles numéro 4 et ici en haut 3 et demi. Et je comprends que 3 et demi ça va être trop serré. Là, comme ça, l'échantillon avec les aiguilles numéro 4 elle me plaît plus. Mais vu comment la laine elle s'est transformée, maintenant j'ai pas envie de tricoter quelque chose à jouer avec. Parce que je trouve que c'est dommage de gaspiller la laine qui est comme ça, qui peut vous tenir chaud, ouais. De la gaspiller, de faire les motifs avec les trous, c'est tout. Et c'est pour ça, je pense que je vais faire plutôt quelque chose à l'approche de l'automne, quelque chose vraiment un joli pull. Après, j'avais trouvé aussi ça. Mais ça, en fait, je me rappelle que j'avais pris le reste. Il n'y a que 300 grammes. Et c'est le fil qui est très fin aussi. Ici, il y a 5% cachemire, 30% viscose, 30% mérine et 35% polyamide. Et ici, c'est 1450 mètres dans les 100 grammes. Et j'ai pensé le tricoter en trois fils. Mais trois fils, je vais vous montrer. Ça donne ça. Et ça, c'est avec les aiguilles 3,25.
Franchement, ça s'est déjà lavé. Certes, l'échantillon est tout petit parce que j'avais vraiment après la flemme de le tricoter. Ça peut être, vous savez, un petit pull léger. Mais moi, tout ce qui est en dessous des aiguilles en dessous de 4, ça s'annonce vraiment pas bon. Mais la laine, elle a un tout petit duvet parce qu'il y a quand même le mérino et le cachemire. Je sais pas, c'est à méditer, comme je voulais dire. Après, j'ai décidé de tester la laine Cotton White. Parce que l'année dernière, j'ai vu pas mal de modèles sur YouTube ukrainien. Il y avait beaucoup de filles qui ont tricoté avec la laine Gazal Baby Cotton XL. C'est la laine turque. On peut la commander sur le site dont je vous ai parlé, Vilrita, qui est en Lituanie. C'est le même composition comme Cotton Light. Même le métrage, il est pareil. C'est 50% coton et 50% polyester. Là-bas, peut-être c'est polyamide. Je ne sais pas. Mais le métrage, il est pareil. 50 grammes, 105 mètres. Et je commençais à faire les échantillons. Tout d'abord, j'ai fait... Non, tout d'abord, j'avais fait celui-là. Parce que justement, il y avait une youtubeuse ukrainienne qui a tricoté avec ce motif, un pull. Si vous voulez, sur YouTube russe ou ukrainien, déjà depuis quelques années, c'est très très à la mode de, comment dire, d'imiter les modèles de Cucinelli. Et en fait, ça, c'est un des motifs de Cucinelli. Je vais vous mettre ici la photo. Sur Pinterest, il y a pas mal de photos en fait de tous ces vestes, pulls et tout ça. Et après, je ne sais pas d'où ils viennent les. Comment dire, des schémas, vous savez, des motifs. Mais on les trouve enfin, gratuitement sur Pinterest. Moi, je l'ai trouvé celui-là sur Pinterest. Et j'avais tricoté avec cette laine Cotton Light. Mais je ne l'ai pas aimé du tout. Vous savez pourquoi? Parce que le fil, il est très très mal roulé. Ça fait ça. Et dans ce motif, il y a beaucoup de diminution à gauche, à droite, il faut retourner les mailles et vous voyez même quand vous les retournez, ça vous fait ça. Et ça, je trouve que c'est un peu, vous savez, l'air négligé. Vous voyez ici, ça me plaît pas du tout. Comme ça de loin, c'est pas mal. Mais quand on regarde de près, j'ai pas aimé du tout. Ça, je crois que la moitié, je l'ai tricoté avec 4,5 et l'autre moitié avec 4, mais on voit pas la différence. Et après, j'ai fait cet échantillon-là. C'est le même motif qu'ici. C'est pareil, en fait, je l'avais vu. Il y avait une youtubeuse ukrainienne qui a fait un pull avec. Mais sinon, c'est pareil. Je pense qu'elle a trouvé le modèle sur Pinterest parce que j'ai vu les pulls sur Pinterest avec ce motif-là. Je trouve que ça a l'air un peu mieux que ça. Je sais pas, peut-être avec ce motif, je vais faire une veste d'été pour Adèle parce qu'elle a vu cette couleur et elle veut quelque chose. Elle me dit, je veux un pull ou une veste avec cette couleur. Et moi, je pense qu'une veste d'été avec ce motif, ça va. Je sais pas, mais en tout, ce que je voulais vous dire, cette laine, elle me plaît pas beaucoup. J'aimerais bien acheter l'autre, celle qui est de Gazal. Au niveau de prix, c'est à peu près pareil. C'est un tout petit peu moins que 2 euros la pelote. Mais il me semble que quand même dans l'autre, c'est pas polyester, c'est polyamide. Et peut-être ça change quelque chose. Je vais peut-être commander pour comparer, mais je pense que Cotton Light, je ne vais plus l'acheter parce que ça m'a pas plu du tout. Après, il y avait encore une autre veste Cucinelli, parce que maintenant j'ai décidé aussi que j'aimerais bien avoir une veste à la Cucinelli, avec motif style comme le filet. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est comme le filet, quoi. Et tout le monde, cette veste, tout le monde la tricote avec la laine d'été. C'est-à-dire avec le coton ou coton avec polyamide. Et moi, j'ai décidé de tester la laine de drop safran. C'est 100% coton. Par contre, c'est la laine qui est plus fine,
parce que ici dans les 50 grammes, il y a 160 mètres. Et normalement, on nous conseille ici les aiguilles numéro 3. J'avais acheté cette laine pour faire mon pull de cheval, mais après, j'ai pensé pour le jacquard, non, je ne veux pas prendre au coton. Et pour ne pas tricoter avec les aiguilles numéro 3, j'ai eu l'idée de prendre les aiguilles numéro 4. En fait, ça, c'est style le côté endroit. Mais le problème de ce motif filé de coccinelle, c'est qu'il se forme, comment dire, sur le côté envers. Parce qu'en fait, là, vous avez le côté endroit, mais le vrai motif, il doit avoir l'air comme ça. Mais je vais vous montrer comment il doit avoir l'air, mais c'est pour vous dire qu'en fait, cette laine, elle va pas du tout. Après, j'ai commencé avec les aiguilles 4,5, ça m'a pas plu. J'ai coupé un fil et j'ai continué avec les aiguilles 3,25. Et le filet, il ne me plaisait toujours pas. Et j'ai commencé à faire simplement le motif jersey. Et je trouve que pour le coton, les mailles, elles sont assez régulières. Après, j'ai fait encore un motif comme ça. Et ça me plaît énormément pour cette laine. Je vous le montre un peu trop près. Vous voyez avec les petits motifs comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très très bien. Par contre, le même motif comme ici, grosso modo, il me plaît moins. Parce que vous voyez là, ici, les mailles, quand il y a les mailles envers, ils sont pas très régulières. Je ne sais pas pourquoi. Quand c'est plus de mailles comme ça, le jersey, c'est régulier et après d'un seul coup, c'est pas régulier. Peut-être c'est moi, je ne sais pas. Mais bref, peut-être avec cette laine, je vais tricoter quelque chose avec ce motif. Il est tout simple à réaliser et je pense que ça va être comme ça. Et voilà le filet de coccinelle, comment il va être. Comment il va être, comment il va être. En fait, voilà, ça c'est le côté grosso modo envers. Parce que en fait, le côté endroit, il est comme ça. Vous le tricotez et il faut savoir quand vous tricotez votre motif. Et d'après ce que j'ai compris, vous pouvez pas le tricoter en rond. C'est-à-dire qu'il faut tricoter chaque détail à part et après coudre ensemble. J'en ai vu, je crois, un tuto où on tricote cette veste. Elle est enfin, le tuto, elle est en russe. Ça fait longtemps que je l'ai regardé. Grosso modo, en fait, là-bas, c'est pareil. La fille a tricoté tout d'abord le dos, après deux détails de devant et les manches, et après, il fallait tout coudre ensemble. Je vais vous mettre la photo ici, comment elle est cette veste. Et vous la voyez souvent sur Pinterest, si vous allez sur Pinterest. Mais en fait, ce que je vous dire, quand vous le tricotez, grosso modo, il faut faire attention et savoir qu'après, il faut retourner votre tricot pour avoir ce côté. À l'endroit. Et là, avec cette laine, il me plaît énormément. Vous voyez comme ça de loin, et quand vous regardez comme ça, il est un peu en relief. Et ça, c'est la laine que je vais acheter en Ukraine. C'est 70% de mérino et 30% de soie. Et ce qui est bizarre quand même, par rapport, je l'ai tricoté d'ailleurs en deux fils parce que là vous voyez il y a encore un cake avec les aiguilles 3,75. Mais peut-être enfin 4, j'avais essayé cette laine, j'ai pas pris l'échantillon parce que je l'avais fait il y a déjà un certain temps. J'avais tricoté en jersey, c'était un peu trop lâche et c'est pour ça que j'avais pris les aiguilles plus petites. Et je pense que oui, 3,75 c'est bien. Il reste, vous voyez, il n'est pas très raide, plastique, comme ça, il bouge. Et peut-être, et j'aime bien cette couleur, parce que quand vous regardez ces vestes de coccinelle sur Pinterest, ils sont toujours dans les couleurs comme ça, neutres. Alors, peut-être cette laine, elle va être destinée à la veste, à la coccinelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah, peut-être je vais vous montrer encore cette pelote. Ça va être mes chaussettes de mois d'avril. Ça fait longtemps que j'avais acheté cette laine. C'est la laine alizée artisane pour les chaussettes. Et vous voyez, elle est comme ça
multicouleurs, comme la laine d'oreille, vous voyez, mais elle coûte beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, je suis allée sur le site Les Ciseaux Magiques et franchement, j'ai vu les nouveautés de Katia en ce qui concerne les laines pour les chaussettes et je trouve que c'est carrément abusé de vendre une pelote laine en chaussettes, style avec laine mérino et polyamide, à 10 euros ou 14 euros la pelote. Je trouve que c'est vraiment, mais qu'ils m'attendent pas à la caisse. Alors j'aimerais bien tester cette laine pour voir, parce qu'il me semble qu'une pelote elle coûtait à peu près 4 euros. Et je vais vous donner mon retour. Et j'ai choisi, j'en ai trois couleurs différentes. Il y en a une pelote dans les gris, une pelote plutôt dans les couleurs automnales, comme ça, orange, marron. Et il y avait celle-là, et je trouve que c'est parfait pour les chaussettes d'avril. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura encore une petite partie de vlog comme ça, ou sinon on se retrouve à la fin de vidéo pour voir comment elle était cette semaine tricotesque. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi le 29 mars et aujourd'hui, ça va être la dernière partie du vlog. Je voulais simplement vous montrer que j'ai terminé mes chaussettes. Ça, c'est les chaussettes pour moi et je suis très très contente parce que jusqu'à là, j'arrive à tricoter une paire de chaussettes par mois. Alors, ça, c'est les chaussettes de mois de mars et ça, elles étaient tricotées avec la laine que j'avais achetée en Ukraine. C'est tout ce qu'il m'en restait de mes deux petites pelotes. C'était la laine qui était teinte à la main, comme vous pouvez voir. Et ils ont plutôt les couleurs automnales. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça va être les chaussettes que je vais porter déjà en automne-hiver prochain. Je ne les ai pas encore lavées. Je les ai mis simplement sur les bloqueurs. Juste pour vous montrer. Je vais les laver, mais je pense que quand je vais filmer la dernière partie du vidéo demain, ils vont pas être encore sèches. Alors, je vous montre tel quel là maintenant. On voit que, comment dire, la teinture, oui, les couleurs, c'est pas homogène, mais on voit quand même que c'est une paire de chaussettes. Voilà, j'ai déjà défait la laine que j'avais tricoté, vous savez, la première partie de mon épaule japonais où ça c'est le deuxième essai. Et je vous ai montré le premier, je l'avais défait alors pour faire l'épaule, le devant, enfin une partie de devant, ça va être suffisant. Je le défais, mais je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt commencer. En fait, cette semaine, j'avais envie de finir mon pull avec Drop Swish. Je l'avais terminé. J'ai terminé aussi Kumano's Blues. J'ai terminé les chaussettes. Je vais commencer à tricoter les manches dans mon Eva Cardigan. Je pense que ça va être le plan pour ce soir parce que là, aujourd'hui, j'ai encore rendez-vous chez le veto. Après, on verra. Vous savez, hier, je vous ai montré aussi cette laine et je me rappelle plus si je vous avais dit que je vais comparer cette laine avec Regia. Et je vous ai ramené les chaussettes. Elles sont propres.
C'est les chaussettes que j'avais tricotées en automne. Là maintenant, je les sèche, je les fais sécher simplement comme ça, sans bloqueur, parce qu'en général, les bloqueurs, je les utilise pour des nouvelles paires de chaussettes, pour qu'elles soient présentables, vous savez, dans les vidéos et tout. Et après, je les sèche simplement sur le séchoir. Ce que je voulais vous dire. Ça, c'était la première fois que j'avais tricoté avec la laine Regia. Vous savez, c'est cette laine qui... les sections, elles sont faites comme ça pour que vous ayez les couleurs unies sur les côtes, les talons et les pointes. Et après, vous avez style un peu comme le jacquard. Au début, comment dire, j'ai pas trop aimé travailler cette laine parce que, à mon avis, elle est très très sèche. Mais c'est maintenant que je vois davantage, en fait, tous les meilleurs côtés de cette laine parce que ça, c'est les chaussettes pour moi de travail. Il y a en fait cette paire et encore une paire. Que j'avais tricoté avec la laine Conseil Baikatia Ava. Et franchement, je trouve que cette paire, je le porte dans les chaussures au travail. C'est-à-dire que 7 heures, voire plus, parce que tant que je vais au travail, tant que je retourne, elles étaient lavées déjà plusieurs fois. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bouloche. Vous voyez, c'est les chaussettes telles quelles. Je les ai pas nettoyées, rien du tout. Là, ça, c'est le pied. Et franchement, là, une. Mais c'est tout. Et encore, c'était quelque chose qui était accroché. Je trouve que c'est vraiment la laine qui est de très bonne qualité. Certes, elle n'est pas agréable au toucher quand on la travaille et tout. Mais c'est les chaussettes. Je pense que je vais les porter encore l'hiver prochain. Il n'y a même pas de signes, d'usure, rien du tout. Franchement, là, un tout petit peu peut-être au talon, mais je suis vraiment scotchée, je suis agréablement surprise et c'est pour ça, moi, j'aimerais bien tester cette laine de Alizé pour voir est-ce qu'elle va être à peu près pareille comme Regia. Parce que ça, c'est vraiment une laine qui coûte pas cher. Et que Regia, je sais pas, j'ai pas regardé maintenant les prix, mais je me rappelle que cette pelote, je l'avais achetée, je crois, elle était 14 euros, si je me trompe pas. Enfin, c'était il y a déjà un petit moment, mais bref, certes, la qualité, elle est bonne, mais c'est quand même cher pour la laine à chaussettes. Vous allez me dire que maintenant, toutes les laines, elles sont chères. Je suis d'accord. Mais si on peut tester et trouver quelque chose de moins cher, ça serait, je pense quand même, vous direz pas non. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour voir mes résultats de la semaine. Et je vous dis un très bon week-end. Alors voilà comment elle était ma semaine tricotesque. Et maintenant, avant de parler les plans et les projets pour après, j'aimerais bien vous montrer les trois projets terminés cette semaine. Je ne vous les montre pas dans l'ordre dans lequel ils étaient terminés, mais plutôt de plus petit au plus gros. On va dire comme ça. Et plus petit, bien sûr, c'était les chaussettes que je vais tricoter pour moi. Ce sont les mêmes chaussettes que j'avais tricotées pour mon ami et sa copine. Seulement, la taille elle est plus petite parce que j'ai tricoté pour moi pour la taille 39. Mon Dieu, j'ai déjà oublié quelle taille de pied j'ai. Je vous les montre comme ça sur mes bloqueurs.
Je vais vous les enlever. Merci beaucoup à tout le monde qui m'ont conseillé comment faire avec les bloqueurs. Il y avait un commentaire vraiment très très utile enfin, quelqu'un m'avait dit qu'il faut limer ici ou utiliser, vous savez, le papier, comment ça s'appelle? Laine de verre. Non, pas laine de verre. Vous avez compris. Enfin bref, moi j'ai utilisé la lime pour les ongles et c'est devenu nettement mieux. Mais quelqu'un m'avait écrit dans les commentaires qu'il faut après prendre le vernis transparent pour les ongles et de l'utiliser. Je vais l'acheter parce que je n'en ai pas chez moi. Et franchement, parce que ça va m'économiser au moins 25 euros pour les nouveaux bloqueurs. Voilà, là j'ai enlevé les chaussettes des bloqueurs. Franchement, ils ont séché très très rapidement parce que je les ai lavés hier l'après-midi et aujourd'hui ils sont déjà sèches. J'avais un tout petit peu peur parce que je vous ai dit c'est la laine qui est teinte à la main, mais c'était une autre une créatrice ukrainienne qui a fait pas celle que les roses, c'était une fille et ça, c'est une autre fille. Et franchement, au début, je pensais qu'ils achètent peut-être la laine, vous savez. Comment dire, vierge blanche pour faire la teinture. Je pensais que peut-être ils ont acheté dans le même endroit, mais je crois pas parce qu'au lavage, on voit que c'est pas pareil. En fait, au toucher et rendu, c'est quasi la même chose. Mais les chaussettes roses, quand je les ai lavées, elles s'étiraient pas beaucoup. Et ça, cette laine-là, ça ressemblait beaucoup à Drops Nord, c'est-à-dire une fois mouillés, ils étaient devenus mais interminables. On dirait que c'était pas la taille 39, que c'était déjà la taille, je sais pas, 46. Mais au séchage, vous savez, ils ont repris la forme, ce qui est bien parce que sinon, je commençais à m'inquiéter. Sinon, c'est toute la même chose que j'avais fait avec les chaussettes roses, sauf que après le gousset. J'avais tricoté jusqu'à la pointe 45 rangs. Et là-bas, je pense que j'avais fait 50 ou 55, quelque chose par là. Et c'est nickel pour ma taille. Certes, ils sont un tout petit peu, vous voyez, différents, les sections. En fait, cette chaussette, on dirait qu'elle est plus claire que celle-là. Celle-là, elle est vraiment plus rouge. Mais on voit quand même que c'est une paire. Et on verra comment ça va être pendant l'utilisation. J'espère que ces chaussettes, elles vont me servir quand même plus qu'une paire. Et voilà. Sinon, je suis très très satisfaite. Après, on va parler bien sûr Cumulus Blues que vous pouvez voir sur moi aujourd'hui. Je voulais simplement la mettre pour vous montrer sur moi, mais sinon, ça va être vraiment une blouse qui va partir chez ma mère en Ukraine. Je la trouve vraiment très très réussie, mais pour moi, j'hésite encore. En fait, si vous voulez, dans les projets pour le mois de mars, enfin, pas pour le mois de mars, mais pour le printemps, j'avais le projet tricoter deux. De tricoter celle-là avec Drops Brushed Alpaca Silk et l'autre modèle carrément comme dans le patron de Petite Nit, je voulais le tricoter avec deux brins de mohair. Après, j'ai trouvé d'autres laines aussi dans mon stock de laine avec lesquelles je pourrais le faire, mais maintenant j'hésite parce que vu que j'avais acheté, comme je vous ai montré, le patron de Cloud Blues. Et grosso modo, la matière, c'est la même chose parce que c'est pareil dans le patron original. On le tricote avec deux brins de mohair. Et maintenant, j'hésite peut-être de faire plutôt Cloud Blues parce que, à vrai dire, j'aime pas trop tricoter le même modèle, vous savez, plusieurs fois d'affilée. Je peux le répéter comme par exemple le September Sweat. Je l'ai fait déjà plusieurs fois, mais c'était pas tout de suite, tout de suite. Et c'est pour ça, je pense que peut-être je vais tricoter plutôt Cloud Blues ce printemps pour moi. Et ça va être, vous voyez, encore une fois, j'ai pas décidé. Est-ce que je vais le faire avec le mohair ou est-ce que je vais le faire avec Brushed Alpaca Silk? Parce que franchement, Brushed Alpaca Silk, pour moi, il me pique pas du tout. Là, j'ai mis un petit t-shirt en dessous, mais hier, quand je vous ai fait les photos, que vous allez voir après, j'avais juste le soutien-gorge dessous et ça me piquait pas du tout. Vous connaissez bien sûr
tout le monde brushed alpaca silk. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, Kid Silk, il est plus irritant pour moi que brushed alpaca silk. Et pourtant, ça doit être à l'envers. Je ne sais pas, c'est marqué simplement que c'est alpaca, mais peut-être c'est quand même baby alpaca. Je ne peux pas vous dire, mais pour moi, en fait, c'est comme ça. Je vous mets tout d'abord les photos, comment ce pull elle est sur moi. Et après, je vais vous donner quelques détails techniques par rapport à ce modèle. Alors, comme je vous ai dit, je l'avais tricoté avec Brushed Alpaca Silk de Drops. Et moi, c'est la couleur numéro 4. J'avais en tout 8 pelotes. J'avais acheté pareil, je crois que c'était au début de l'automne dernier, 3 couleurs différentes de Brushed Alpaca Silk. C'était le plus neutre parce qu'après, j'ai pris 8 pelotes pareil de couleur qui s'appelle Rouille et encore 8 pelotes de couleur qui... vraiment vert foré, vous voyez ce que je veux dire, mais je le voyais quand même cette Cumulus Blue, je le voyais carrément dans la couleur neutre parce que j'ai vu beaucoup de modèles, je sais pas pourquoi il y en avait des couleurs un peu peps, mais la plupart de filles tricotaient carrément avec beige, gris, et moi aussi je voulais le faire comme ça en beige, c'est pour moi beige clair ou beige gris, je sais pas. J'ai décidé de le faire. J'avais fait l'échantillon et vu que dans le patron on le tricote avec les aiguilles numéro 4 et demi, je faisais l'échantillon avec les aiguilles 4 et demi. Mais l'échantillon c'est un tout petit truc et il me semblait que j'avais en fait la jauge qui correspondait exactement à ce qu'il y avait dans le patron. Sauf que quand on tricote après l'ouvrage, notre tension de fil, elle change. Normalement, on commence à tricoter un peu plus lâchement. Et bien sûr, l'échantillon, il correspondait plus. Et en fait, quand j'avais déjà séparé les manches et le corps, et j'ai vu la largeur du corps, et j'ai vu que en fait, c'était quand même assez large pour moi. Et il me semblait que la ligne de réglant, elle était... plus long. Là maintenant, je vois que non, pas tant que ça. Mais je sais pas pourquoi. Là, la largeur, il est un tout petit peu plus large, ce qui est dans le patron pour la taille L, justement parce que j'ai plus de mailles dans les 10 cm que dans le patron. Mais c'est pas critique. Mais je trouve que en fait, moi, dans ma tête, je voulais avoir vraiment une blouse avec moins, vous savez, d'aisance que ça. Et je trouve que voilà, que ça va aller mieux pour ma mère. J'étais très, très agréablement surprise par rapport à la quantité de laine parce que moi, comme je vous ai dit, j'avais 8 pelotes et j'ai réussi à faire avec 6. Certes, et il me manquait quoi? 1 mètre de laine pour faire mon I-cord en bas jusqu'au bout. Mais vous savez, si par exemple j'avais pris quand je faisais, quand c'était la fin de la pelote et j'ai rajouté le fil pour l'autre, en fait, si je les faisais plus courts, j'en suis sûre que je pourrais faire avec 6 pelotes. Et je trouve que c'est quand même énorme. Et cette laine, elle est quand même pour moi assez, comment dire, elle est... le rapport qualité-prix, il est quand même imbattable. Je trouve que... Il me semble que c'est 2,60 € la pelote, si je me trouve pas, si je me trompe pas. C'est vraiment grosso modo, allez, on va dire 3 euros, 3 par 6 à 18 euros. J'ai déjà un pull comme ça et c'est énorme. Et maintenant, c'est pour ça, par rapport à Cloud Blues de Petite Knit, j'hésite de le faire aussi en Brushed Alpaca Silk, mais couleur rouille.
Je ne sais pas pourquoi, là, l'été arrive. J'aurais dû peut-être préférer, vous savez, une couleur plus gaie et tout. Maintenant, cette couleur rouille, il me tente. Et je ne sais pas, peut-être ça va être quand même ombrage d'alpaca silk. Je ne peux pas vous dire. Et le troisième projet terminé, je vais vous le mettre sur les centres comme il faut pour vous le montrer. C'est bien sûr notre pull qu'on avait tricoté ensemble. Voilà. Il est comme ça. Vous allez le voir plus tard sur moi. Je suis très contente de l'avoir terminé. Je suis bien sûr un peu déçue que je l'avais terminé que maintenant au mois de mars parce que dans ma tête, quand j'avais commencé ce projet, j'avais envie quand même de le faire grosso modo en automne avant l'hiver pour que je puisse le porter en hiver et pour que vous puissiez faire vos modèles aussi avant l'hiver. Mais bon, ça va être pour l'hiver prochain. La vidéo, il y a encore une vidéo comment rabattre les mailles à l'italienne. Et je vous ai dit, il va sortir probablement la semaine prochaine. Je vais le faire peut-être pour mardi ou mercredi. Et je pense que ça va être la dernière vidéo parce que je vous ai dit que oui, je vais faire la toute dernière vidéo avec la présentation de ce pull. Mais grosso modo, je vous la présente maintenant. Et je vais vous donner toutes les caractéristiques techniques et vous allez le voir sur moi. Alors, je vois pas du tout encore, enfin, je vois pas du tout d'intérêt de faire encore une vidéo et répéter la même chose. Alors, je vous propose tout d'abord voir comment ce pull est sur moi et après, je vais vous dire tout le reste. Alors, comme vous le savez, j'avais tricoté ce pull pareil avec la laine Drops qui s'appelle Wish. Moi, c'est la couleur 15 que j'ai. C'est la laine qui est assez épaisse. Déjà, Drops, il nous propose d'utiliser les aiguilles numéro 9. Et c'est dans les 50 grammes, il y a 70 mètres. Et c'est 50% d'alpaga, 33% coton et 17% laine. C'était la première fois que j'avais utilisé cette laine et je pense que ça va être la dernière. Tout simplement, vous allez me dire oui, mais tu l'as même pas encore porté, le pull et tout ça. Mais moi, déjà, j'ai compris vraiment que j'aime pas tricoter avec les grosses aiguilles comme ça. Je peux encore imaginer, vous savez, de faire, comment dire, vous savez, des petits pulls nuages avec style le mohair et les aiguilles numéro 8 ou 9. Mais quand c'est une grosse laine comme ça, certes, je vais me faire un pull. Là, je l'ai fait. Je vais le porter pendant quelques années. Mais je vois pas du tout d'utilité dans mon armoire, en fait, si vous voulez, de pulls comme ça. Parce que j'habite en Sud-Gironde. Et chez nous, il ne fait pas si froid que ça pour tricoter plusieurs pulls avec cette laine. Et pour moi, je ne sais pas comment elle va être encore au lavage. Je ne sais pas du tout comment elle va être à porter et tout. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est déjà de le travailler, c'est une chose. Et l'autre chose, j'ai pas aimé de joindre deux bouts de fil. Je vous ai dit que, par exemple, c'est comme un petit lacet. Et grosso modo, c'est la même structure de fil comme Drops Air. Et Drops Air, je prends en fait la nouvelle pelote, je prends l'aiguille et je le mets en fait grosso modo, vous savez, comme les colons, je le mets en fait dedans et je ressors le fil, c'est-à-dire qu'en fait il y en a le fil de la nouvelle pelote, il est grosso modo emboîté dans cette chaussette, dans ce colon en fait. Et ça marche aussi avec cette laine-là, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et c'est pas joli du tout. Je vous ai montré déjà sur les vidéos, si vous les avez vues, ça, l'endroit en fait où on rentre
l'aiguille, en fait, elle s'élargit et ça a l'air un peu négligé. J'ai pas aimé. Mais sinon, en fait, le pull, voilà, il va être très. Je pense qu'il va me tenir chaud. J'étais aussi par rapport au nombre de laines qu'il me fallait pour le faire, j'étais vraiment surprise parce que moi j'avais pris 13 pelotes et j'ai utilisé que 10 et demi. C'est-à-dire qu'il me reste encore 2 pelotes et demi. Je ne sais pas, peut-être je vais faire un petit gilet sans manches pour le fils de ma copine Léa parce que sinon je ne vois pas du tout où je pourrais utiliser ces pelotes. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais... Voilà, vous le savez que je l'avais tricoté avec les aiguilles numéro 9. En gros, ça se tricote, oui. Il y a un avantage. Vous pouvez avoir un pull très très rapidement quand vous tricotez avec les aiguilles numéro 9. Sauf que moi, ça durait des mois parce que je devais vous filmer les séquences avec certaines étapes. Mais sinon, voilà. Si vous aimez... le tricot comme ça rapide, c'est très bien. Mais sinon, moi je pense que en grosse laine comme ça, de drops, j'ai encore drops hand. Et je crois qu'il est encore plus épaisse cette laine. Je crois que c'est dans les 50 grammes, il y a 100 mètres ou dans les 100 grammes, 100 mètres, quelque chose comme ça. C'est vraiment, il me semble que même drops, il conseille de la tricoter avec les aiguilles numéro 10. Je vais essayer cette laine. Parce que je l'ai déjà. Je pense que je l'avais acheté pour, pareil, pour faire une veste pour moi. Mais franchement, la laine qui est comme ça, comme un filet, non pas un filet, comme un lacet, vous savez, tubulaire, dans cette épaisseur, je conseille vraiment pas. Parce que c'est très, très difficile. Vous imaginez si je devais faire en plus des nœuds. Sur l'envers de votre projet, ça va être vraiment, ça va vous-même gêner parce qu'en fait, le nœud, vous pouvez pas faire un tout petit nœud. La laine, elle est grosse et pour ça, je pense que non, on va pas être copines, mais sinon, en fait, je suis très contente de mon pull, il est réussi et j'espère que vous allez réussir aussi les vôtres. Sinon, je vais vous montrer aussi encore mon cardigan Eva, pareil de petite knit. J'ai commencé à faire une manche. J'ai commencé hier et j'ai fait la manche jusqu'à, avec toute diminution. J'ai déjà effectué toutes les diminutions. Il me reste encore faire enfin, le poignet, les côtes. Et. Ici, dans ce modèle, ce qui est bizarre, il faut faire 10 cm de côte. Mais après, en bas, pareil, il y a 9. Et tout ce qui est la bande de boutonnage, elle est quand même aussi assez large. Et là, je commence à avoir un tout petit peu peur parce que j'aurai pas assez de laine. Parce que je vous ai dit que j'ai dédoublé la laine. J'ai fait 2 cakes comme ça. Je ne sais pas si je vous avais dit ou pas, parce que ça c'est pareil, le truc d'embobineur, cette histoire, ça commence à bien y faire. Mais sur le cône, il me reste ça. Là, j'avais un cake qui pesait 73 grammes et j'ai encore le deuxième qui fait 115. Mais je peux vous dire que, je ne sais pas, tant que je tricote grosso modo l'empiècement en haut, je dis, oh, c'est très très bien en fait, et j'utilisais pas beaucoup de laine, c'est très économique et tout. Et une fois je commence à faire les manches, là c'est foutu, là après, en fait, la laine diminue vraiment super rapidement. Et ici, je trouve que les manches, elles sont quand même assez larges. Ici, j'ai 40 cm, enfin, c'est pas très large par rapport à mes bras, mais quand même, en fait, ça diminue pas beaucoup parce que les diminutions, ils sont faits, ça c'est des diminutions régulières, mais je trouve que ils pourraient être peut-être faits plus souvent. Je sais pas, il faudra voir après à la fin. Et ce que j'aime pas, vous savez, quand il me manque la laine, ce qui est le plus stressant. Parce que enfin, par exemple, quand tu fais le pull, tu penses, oui, je vais tout d'abord faire les manches et après tout le reste, je vais le mettre dans la longueur. Sauf que ici, je tricote après la longueur, mais il me faut encore de la laine pour faire la bande de boutonnage. Et moi, à vrai de dire,
Je ne sais pas calculer en fait combien de laine il me faut pour la bande de boutonnage. Et ça va me stresser, je pense, mais jusqu'au bout. Et vous allez me dire pourquoi j'avais pas acheté assez de laine pour ma taille. Mais à l'époque, quand je l'avais acheté, j'étais sûre que j'en aurais assez parce que, si vous voulez, je pense que ça, c'était encore la commande il y a 2 ou 3 ans. Deux peut-être. Et même il y a 2 ans, j'étais beaucoup plus mince. Vous n'allez pas me croire, mais je portais la taille M. Et j'avais pris 600 grammes et même tricoté en deux fils, c'est-à-dire que là, ici, il y a 480 mètres dans les 100 grammes. C'est-à-dire qu'en tout, j'avais presque, si enfin, je tricote en deux fils, je devais, enfin, j'avais presque 1500 mètres. Et pour la taille M, c'est largement suffisant. Mais sauf que maintenant, je taille L. Et c'est pour ça, avec toute la laine que j'avais achetée il y a longtemps, et c'est pour ça, je vous déconseille peut-être de faire un gros stock de laine, ou sinon il faut vraiment prévoir est-ce que vous allez maigrir, est-ce que vous allez grossir. Enfin, oui, c'est un peu, on rigole comme ça, mais en fait, vous voyez, c'est quand même, ça montre que quand tu fais le stock de laine, tu peux pas prévoir. Et du coup, maintenant, je suis un tout petit peu stressée et j'ai regardé sur le site, sur G-Yarns, et cette laine, il n'y est plus. Je vous ai dit que la laine surconne, bien sûr, il y a une très grosse probabilité qu'une fois vous l'avez achetée, vous n'allez plus la retrouver. Il y en a certains articles, par exemple des cachemires 100%, par exemple Soft Donegal Tweed. Enfin, il y en a quelques articles qui sont dans les collections et les ressortent tout le temps, vous savez, les marques. Mais sinon, c'est quand même très rare que vous allez retrouver la même laine. Par exemple, si vous vous rappelez, c'était pareil, je crois, en automne, quand j'étais dans le groupe à tester un cardigan de Svetlana Kharchenko, youtubeuse ukrainienne, que j'avais abandonné parce que j'avais pas assez de laine, il me semblait, et je trouvais que dans le modèle, dans le patron, il y en avait certains problèmes, surtout avec les manches. Sauf que Svetlana, elle me disait que non, elle voyait pas le problème. Enfin bref, on n'était pas tout à fait d'accord. Et moi, je préférais quand même d'arrêter le test. Pareil, j'ai la même histoire avec cette laine. C'était un tweed avec mérino et cachemire. Et j'avais acheté aussi, elle était dans les 105 grammes, 105 mètres dans les 100 grammes, et pareil, j'avais acheté 600 grammes. Et je n'ai pas assez en tricotant en deux fils. Mais par contre, ce tweed, je l'avais retrouvé encore sur le site G-Yarn, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore vendu. Et je pense que justement, je vais me faire. Je vais le commander, grosso modo, parce que là, vu que le 1er avril, je vais avoir l'anniversaire et j'aimerais bien me faire un petit cadeau. Et j'aimerais bien acheter la laine 100% cachemire. Voilà, parce que j'aimerais bien me faire le pull basique. Mais je pense que ça va être peut-être le modèle, vous voyez, de zipper sweat de petite nit. Et je vais le faire en 100% cachemire que. Je sais pas, ça va être un petit cadeau pour moi pour l'anniversaire. Mais bref, et justement, quand je vais passer la commande, je vais peut-être reprendre encore 200 grammes de ce tweed qui me manque. Mais malheureusement, cette laine-là, il y en a plus. Et alors, j'essaye là maintenant, peut-être la semaine prochaine, je vais essayer même de finir Yeva Cardigan pour voir si j'en ai assez ou pas. Et comme ça, si par exemple, par chance, je vais en avoir assez de cette laine pour ce cardigan, c'est-à-dire que je ne vais pas m'acheter encore l'autre, parce que je vais savoir que normalement, il va me suffire ce qu'il y a. Voilà, après, en ce qui concerne un peu des projets pour le mois d'avril, alors je vais terminer la Yeva Cardigan. Je pense que je vais sortir aussi de mon armoire la couverture que j'avais commencé le printemps dernier avec les restes de laine non utilisés, parce que même pour vous dire tout,
Il y avait un moment où j'avais même oublié moi-même que j'avais commencé cette couverture. Et c'est après, c'est Adèle, elle me dit, mais maman, elle est où cette couverture que tu voulais faire pour l'hiver? Et là, je pensais, mais ça va être pour l'hiver prochain, probablement, si tout va bien. J'aimerais bien tricoter au moins 5 cm. Allez, parce que c'est super large. Je crois que, comme je vous ai dit, en fait, je me suis trompée avec quand j'avais monté les mailles. Et maintenant, mon largeur. Ce qui devait être largeur, ça va devenir longueur parce que ça fait 2,20 m et c'est-à-dire qu'il me faut tricoter à 1,50 m à peu près. Et j'aimerais bien au mois d'avril tricoter au moins 5 cm, ça serait déjà bien. Et après, en ce qui concerne le tricot pour printemps-été, j'aimerais bien faire ce pull avec. Cette laine, c'est l'échantillon de Drops Belge, je vous l'avais déjà montré. Et c'est le patron justement de Svetlana Kharchin, comme j'ai acheté déjà carrément le patron. C'est-à-dire que les filles, ils ont déjà tout testé avant moi. Et comme ça, je vais même tester cette laine d'été. Après, je ne sais pas, j'aimerais bien aussi tester la Bumu lin de Drops, sauf que j'ai vu qu'il y a Stéphanie qui a sorti un tutoriel, son t-shirt au pull marin. J'ai jamais trop aimé, vous savez, ce style de pull marin parce que comme j'habite pas loin de bassin d'Arcachon, quand tu viens l'été et tous les touristes ils sont avec ces pulls et je sais pas. Je sais, je pourrais le faire en fait, vous savez, dans d'autres coloris, pas faire les rayures bleu marine. Mais je sais pas, quand je regarde sur le site par contre de Calidolen, il n'y a que des couleurs de Bumoulin, il n'y a que des couleurs grosso modo neutres et il n'y a pas de couleur peps. Et je ne me rappelle pas, est-ce qu'avant c'était aussi comme ça ou est-ce qu'il y avait des coloris qui étaient supprimés? Mais bref, je ne sais pas. Tout d'abord, je pense qu'il me faut faire un peu tricoter voilà, la laine que j'ai déjà en stock parce que sinon, je suis déjà un peu envahie par la laine. Et c'est pareil, j'aimerais bien aussi commencer j'aimerais bien aussi commencer une petite veste pour Adèle. La veste d'été, printemps d'été, surtout qu'il a vu mon coton light couleur un peu lilas pâle, ou je sais pas, orchidée pâle, et je pense que je vais le faire peut-être avec un petit motif que je vous ai montré à les échantillons. Voilà, je vais pas me mettre beaucoup de projets en vue parce que sinon, plus on en met. Moins sans prix, on va dire comme ça. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle était intéressante et un peu divertissante pour vous. Je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques et bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances dans notre zone. Bien sûr, c'est pas encore. Je crois qu'il y a encore 2 semaines d'école, mais c'est pas grave. Chacun son tour. Voilà, je vous souhaite que du bonheur et on se retrouve très très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.